Le vendredi 8 septembre restera une date gravée dans la mémoire des Marocains. Ce jour-là, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé le pays, faisant des dégâts considérables et causant la mort d'un millier de personnes selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur. La situation était critique et la population était choquée. De nombreuses personnalités ont tenu à exprimer leur solidarité avec les victimes, parmi lesquelles Camille Ledouche, l'humoriste française. Elle se trouvait à Marrakech pour des vacances lorsqu'elle a été témoin de cette tragédie. Dans un message poignant publié en story Instagram, Camille a partagé son expérience. Cette nuit fut une nuit de cauchemar et la pire de ma vie. J'ai réalisé à quel point nous sommes vulnérables face à la nature. Mais grâce à Dieu nous allons bien. Je suis profondément touché par ce qui s'est passé et je pense à toutes les familles endeuillées actuellement au Maroc. Mes prières vous accompagnent. En ces moments difficiles, il est important de se rappeler que l'entraide et la solidarité sont essentielles pour surmonter les épreuves. Les autorités se sont mobilisées pour venir en aide aux sinistrés et aux familles des victimes. La population a également fait preuve d'une grande générosité en organisant des collectes de fonds et en offrant leur soutien aux personnes touchées par la catastrophe. Nous devons rester unis et continuer à agir ensemble pour surmonter cette crise. Camille Ledouche, âgée de 37 ans, est devenue maman pour la première fois le 9 octobre dernier. Elle a accueilli une petite fille prénommée Alma. Dans un récent reportage diffusé dans l'émission Télématin, Camille a révélé à quel point la naissance de sa fille a chamboulé sa vie. Ça m'a fait relativiser sur tout, sur mon trac, sur mes angoisses. Évidemment, je vis pour mon métier, pour mon public, mais avant ça, maintenant, il y a mon petit être, l'amour de ma vie. Je relativise, a-t-elle confié. En vacances à Marrakech lors du tremblement de terre, Camille Ledouche a vécu une expérience traumatisante. Elle a partagé ses sentiments concernant la tragédie sur Instagram, où elle a également annoncé la naissance de sa fille quelques semaines plus tard. La naissance d'Alma a chamboulé la vie de Camille, qui a récemment révélé que sa fille est la priorité dans sa vie, avant son métier et son public.